Bonjour, je vous fais une nouvelle vidéo, là je suis un peu perturbé, là, euh, parce que je suis euh, en colère. Parce qu'il y a des, des actions que j'entreprends qui n'avancent pas. Voilà, donc c'est euh, pour, pour, pour vous résumer en fait le, la chose. Euh, je fais, euh, qu'est-ce qui peut provoquer chez moi de la colère par exemple, c'est que j'ai un objectif, je dois le réaliser. Je fais une action. Euh... Le, comment dire La, la conséquence, c'est que ça me demande de patienter. Cette action n'est pas réalisée. Enfin, du moins, je je, fais, je mets l'énergie pour réaliser une action. Et le problème, c'est qu'il faut patienter pour la réalisation, le fruit euh, de cette action. Voilà. Et ça me met dans tous mes états. Moi, qui suis pas patient, voilà. J'avais des choses, j'avais un objectif à réaliser. Ça fait des mois que j'essaye de le réaliser. Et à chaque fois, c'est comme un élastique qui nous empêche d'avancer, qui nous accroche à un arbre. Mettons, c'est comme si, voilà, j'étais relié à un arbre et j'avançais, j'avançais, je donnais de l'énergie pour, pour arriver à cet objectif. Et malheureusement, je suis toujours ramené au point initial. Donc, qu'est-ce que ça provoque De la frustration, de la colère et forcément. Euh ben, par la suite, je baisse les bras et une forme de déprime. Voilà. Donc, euh, et puis, il faut savoir que pendant les épisodes de colère, il y a le cerveau reptilien qui se met en marche. Et euh, je, je ne maîtrise plus tout ce que je dis. Alors, je maîtrise ce que je fais, hein, je vous rassure. Je je suis pas méchant physiquement. Hein, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Mais par contre, au niveau euh, psychologique, j'ai un cerveau qui, 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 qui cogite plus normalement. Quoi. Voilà. Sous forme de haine. Enfin, euh, de, de colère ou de haine... De rage. Euh, voilà, j'ai le cerveau qui bug. Je me mets en mode off. Et euh, je pense que ça arrive chez la plupart, la plupart des gens. Et puis s'ensuit euh, que, que, que le feu du Sagittaire. Hein, descend, et puis là, euh, il y a une forme de, de, comment dire, de déprime qui arrive, une forme de déprime, de relâchement et euh, d'abandon, jusqu'à retrouver l'énergie nécessaire pour se rebattre vers cet objectif, qui finalement n'avance pas non plus, parce que ça s'est passé plusieurs fois, qui n'avance, qui n'aboutit à rien, donner de l'énergie qui n'aboutit à rien, qui n'est pas constructif, et puis euh, et hop frustration colère et puis finalement après la colère tout tombe les nerfs tombent fatigue et euh, et déprime quoi voilà abandon envie de tout lâcher voilà envie de dire bah, je passe à autre chose ou je vais sur un autre projet ou euh, un autre objectif parce que ralbol quoi ras -le bol ça avance pas l'impression de. C'est comme s'il y avait une montagne droite à pic de 5 mètres, alors que je ne fais qu'un mètre un... 80 et je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas atteindre le bout de la montagne. J'ai beau sauter autant que je peux et y mettre autant d'énergie, ça me ramène au point initial. Voilà. Autre exemple. Donc je suis un peu perturbé. Là, ça joue sur le, le ventre. Hein, le... Moi, je ressens les émotions par le ventre. Et, et voilà, je ressens ça comme une injustice. Je ressens ça comme une injustice. C'est. Ça me dégoûte. Alors, de, de, de mettre de l'énergie pour rien du tout, ça me dégoûte. En général, on a plutôt tendance à mettre de l'énergie dans les choses, on est sûr que ça réussisse. Hein Et puis en général, la plupart des choses où on met de l'énergie, ça se construit, c'est créatif, il peut y avoir plein de choses où on met de l'énergie. Mais en ce qui concerne l'administratif, des fois on met de l'énergie pour remplir des papiers. Et puis c'est pas bon, il nous renvoie les papiers. On remet de l'énergie, on se redéplace, on remet de l'énergie, tout ça, et c'est pas bon. On nous renvoie les papiers. On remet encore une troisième fois de l'énergie pour les papiers. Et non, c'est pas bon. Parce que la loi est très carrée et il n'y a pas de, hein, de contournement, de je ne sais quoi. et Donc voilà, c'est frustrant. Voilà. Et, euh... Là, là, je ne peux rien dire de, de plus, mais maintenant, il va falloir que bah, la patience, voilà, c'est ça. Parce que le sagittaire et la patience, ben bah, ça ne colle pas trop ensemble. Quoi. Moi, je, je suis un signe de feu, donc forcément, bah, quand je m'enflamme, je mets de l'énergie et puis, euh, et puis euh, genre on veut m'éteindre. Euh, ou bah, du, du moins, ça a tendance à exploser, quoi. Voilà. On veut éteindre la flamme. La, la flamme que je mets, l'énergie que je mets dans une action, mais si on met des, des, des obstacles et des contraintes, euh, ça a tendance à, à se compresser, vous voyez, comme si la flamme se compressait, et, et puis après, il y a un dent, voilà. Et euh, donc voilà, c'était ce petit moment, hein. alors ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Hein. Alors, petite parenthèse important au niveau des, dans, des dangers de la colère. C'est que moi, ça m'est arrivé dans me, plusieurs fois au cours de ma vie, bien sûr, comme tout le monde, de, de me mettre en colère. Hein, mais quand la colère vraiment atteint son paroxysme, je parle au niveau ressenti, pas au niveau expression forcément. Hein, ça peut être expression verbale à la limite chez moi. Mais ressenti surtout. Euh, on peut avoir de graves problèmes de santé suite à la colère. Il a été vu, par exemple, par une étude scientifique, hein, et qui... Moi, disons, entre guillemets, je vous sers d'exemple, euh, que suite à des grands épisodes de colère, il y avait de l'arrhythmie cardiaque ou des, des problèmes, différents problèmes cardiaques, quoi. Voilà. Et c'est même, c'est du poison. La colère est du poison pour le corps. Ça ça fait ça libère plein de toxines, tout ça. C'est un pur poison. Donc c'est vrai qu'on recommande souvent aux gens d'éviter de, de se mettre en colère. Moi, voilà, maintenant, à cause d'une scène de colère je me tape de l'arrhythmie cardiaque de temps en temps et, et je ressens vraiment les à-coups. Le cœur n'a pas aimé. Voilà. Donc je pense qu'il y a un lien aussi avec les nerfs. Et puis bah, j'ai plus qu'à me faire une raison et j'essaye de me soigner comme je peux. Et, et puis voilà. Bon bah, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Et, et je vous dis à bientôt. Au revoir.